Bonjour, monsieur le docteur Sami Topango. Bonjour. Awa Toyoki Obimina idée à Lumumba Ville, nouvelle approche. Ndeko Elingelo Banini. Lumumba Ville, nouvelle approche. Et ça très simple. Hein, pour comprendre en gros facilement, il faut n'appelle ça moi une petite historique. Hein? Comme ça, on comprend en gros facilement à partir d'une petite historique. C'est-à-dire quoi? Année passée, le 30 juin, chef de l'État a fait ce discours, il y a 60e anniversaire et à l'accession de notre pays à l'indépendance. Le discours n'a eu à l'Obibouri. Qui a outil pour signer ordonnance, il y a nommant les maires et les maires adjoints à Lumumba Ville pour rendre Lumumba Ville effective et opérationnelle. Il a signé que chef de l'État a outil pour nommer Bakouzi, il y a Lumumba Ville pour que Ville Wana et Banda Misala Nangoué Banda fonctionner. Et Ngaï, comme je suis natif du coin, ça m'a intéressé, ce nouveau concept de Lumumba Ville. Ngaï n'a compris, il a dit, 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 il a décret numéro 13/023 le 13 juin 2013, il a décret que la PC étendue dans le groupement Yewango comme une nouvelle appellation Lumumba Ville. Donc Lumumba Ville agglomère Wembonyama et Yewango. Yewango où se trouve le village natal de Patrice Emery, le premier ministre Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Et en tant qu'agent de développement, je connais bien Wembonyama, je connais bien le groupement Yewango. Namoni que si kito salinengwana et que vous allez malamuter et qu'on restreindre aura c'est-à-dire niveau ou bien le coût les tout premier ministre de la République démocratique du Congo azalaki nango ils en étaient pour réduire à un leader territorial, ce qui n'est pas quand même pas bon. Yango na sali réflexion dans le bibo. Approche wana toujours considéré en ancienneté parce qu'ils en ont. Approche wana ya kulubake wemonyama et yewango et ça la Lumumba Ville, nous la considérons comme approche moko initiale. Mais na raisonnement, na réflexion nga na sali na fesi ba proposition mususu ya ndenge mususu ya kosali la. Yango nde kulubi Lumumba Ville, oui, c'est vrai, mais une nouvelle approche. Une nouvelle approche, ça veut dire que par rapport à l'ingé, baouti pour le bac, ouais, bon, y a un maillot dans le roi. Botala l'ingé moussoussou, y a bisso, tout comprendre les camboango, botala l'ingé moussoussou, y a bisso, tout sali la licamboango, y a le moumbapi, botala l'ingé moussoussou, y a bisso pour sali la peau, et ça la beaucoup plus grand et intéressé, bâton et belé, et intéressé. Au-delà du gouvernement, on va démonter plus. Au-delà du gouvernement, il y a Congo, et africain et tous les autres, à travers le monde, au Baza, Kundima ou Bandima qui visait à Lumumba, va se retrouver dans la ville. Parce que la ville, mon cher ami, doit refléter l'image de la personne dont elle porte le nom. Ce qui va passer le Lumumba Ville, ça veut dire que Villouana, il faut élaquer et matérialiser. Penser, vision, façon, Lumumba, Azalaki pour prôner ou bien pour penser pour ça l'ambokao. Donc nous on a trouvé que non, approche initiale, oui, à Wembonyam, et on a le droit, les approches moko, et à pour rendre Patrice Emery Lumumba comme un leader territorial, c'est-à-dire il soumika kana na territoire wana kana. Mais la nouvelle approche, ils ont le lengue moussoussou, il y a pour ça la Likambwango, il y a Lumumba Ville, mais
et élargi naba langue mususu naba tuyalulenge mususu naba race mususu va se retrouver na ville wana. C'est ce que nous appelons Lumumba ville nouvelle approche. Donc na kotala lulenge wana, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Wembonyama na on a loi Oyo Batier Lumumba ville pour le moment ne sont pas des entités appropriées pour la cohabiter une ville ou à Lumumba ville. Nous les disons pourquoi. Première chose, tous allons nous Wembonyama. Oui, quand nous Wembonyama wana, disons il y a tout au moins trois pouvoirs de basa pour cohabiter. Basa entre Bango, basa pour cohabiter, ça fait depuis très longtemps. Premier pouvoir, nous avons un chef traditionnel là-bas, chef Wembonyama. Et dans l'histoire, il y a Wembonyama, le village là, Wembonyama, appartient à chef Wembonyama. Je n'entre pas dans le passé plus lointain. Hein, plus lointain, il y a histoire dans l'histoire. Et quand les missionnaires sont arrivés, c'est le chef Wembonyama là qui a donné une partie des terres. Là-bas, missionnaire protestant méthodiste de Batunga, mission à Bango, un peu plus éloigné de là où il est. Et chef Wembonyama là, c'est une dynastie qui existe jusqu'à aujourd'hui. Bazak se succédait de père en fils. Jusqu'à aujourd'hui, Bazak est très influente dans le milieu. Et vous entendez, vous comprenez que na ville Wana, il faut d'abord le chef là. Accepte d'abord que va débaptiser Kumbo, va faire sa Kumbo ya Lumumba ville. Et ça, la chefferie est tellement influente, chefferie traditionnelle, on a chef Wembonyama, tel que au moment où on élève na Lumumba ville, na Wembonyama, on a na statue à ville, d'autres communautés viendront. Est-ce que ces communautés seront soumises à l'autorité des chefs traditionnels qu'on a trouvé là, des chefs Wembonyama? Ça, ce sont des questions qu'on se pose. De deux, l'église méthodiste, protestante méthodiste, unie, quelque chose comme ça. L'église méthodiste est salie 100 ans à Wembonyama là. Donc, ça veut dire que doctrine naïe, c'est une doctrine qui est à Wembonyama et dans les environs là. Ça fait plus de 100 ans que cette église existe là-bas. Bauto fêtait centenaire na Bango il n'y a pas longtemps ici. Donc, doctrine, bon, quand la ville sera élevée, né Bazolo Bakeno, le Mumba ville et Sarawana, élevée dans la statue à ville, et les autres confessions religieuses viendront là. On ne dit pas que réellement il vous a un conflit interconfessionnel. Mais un homme qui prévoit voit le mal de loin. Il y a un autre jour au Bakeur. Une ville missionnaire, c'est-à-dire les écoles, les universités, les hôpitaux et tout ce qui existe comme les symboles du développement dans cette entité appartiennent à cette église. Donc, nous considérons Wembonyama comme une ville missionnaire, comme une ville où il y a une dynastie qui évolue jusqu'à aujourd'hui, qui est encore très influente, qu'il faut proposer avec. Et troisièmement, le caractère enclavé à Wembonyama. Donc, les entités moko, ceux qui sur le plan urbanistique, même ceux qui basali ba projection, y a ba urbaniste, y a ba logisticien, ça sera difficile de transformer Wembonyama dans l'état actuel des choses. Qualitativement difficile que de Wembonyama actuellement, même si on fait un schéma urbanistique, et une ville digne du nom du premier ministre de cette pays, Patrice Emery Ndenge Biso Tutuzulaye. Parce que le Lumumba ville, ça sera tout simplement une matérialisation, une transformation physique de la pensée qu'avait le Lumumba. Et c'est matérialisé par mon angle, c'est la vision qu'il avait de ce Congo. Et le Lumumba ville doit refléter ça. Donc, ce côté Wembonyama actuellement, ce caractère à clavé, l'érosion, les amours passent, parce qu'on ne va pas bousculer les gens, hein, déloger les gens,
baluli bango basali ba venir mususu ya ba débaptiser ba venir ba pesa tout ça des choses comme ça donc ça ne sera pas une bonne chose amont toujours ba keno we monyama les a propriété groupement wango il n'y a que le village de Onalua des villages natal il y a premier ministre Patrice Emery. Bon la dimension que nous avons dans le Cameroun, ce n'est pas parce que le monde est de Onalua qu'on doit amener le monde à ville à Onalua. Parce que le monde à ville, le monde c'est d'abord c'est qui? C'est un nationaliste, un panafricaniste. Magambouan a mis sur le terrain à Baïkui, sur le plan historique, Balouba Kango, Badisocia Kango, unitariste, nationaliste, panafricaniste. Dire que, parce qu'à Boutamina Onalua, donc Villouana, ils arrivent quand on a loi, mais ça c'est one ils en a pensé n'a été parce que lui c'était un nationaliste. Un nationaliste c'est à dire que non, Batunyon sur le Congo pour, Baza Bande Konaye va se retrouver Kona. Et nous voulons de cette nouvelle ville de Lumumba vivre. Tous les nationalistes, tous les Congolais, d'où qu'ils viennent, soukuyo ozana na makoki na lo. Aux US, parce au Tongi, parce que c'est une ville d'un nationaliste. C'est, voilà la vision qu'il avait. C'était panafricaniste. Donc, surtout l'indi que dans cette ville, et puis ça, moi, configuration à panafricanisme, ça veut dire quoi? Au Moni, par exemple, je peux donner un exemple à la Kasavubu. Ce que vous avez na Basayo, Rukaba Kumum, Susu Sayo, Gambela, Birmanie, Boussidjano, et cela tout ça, victoire, il y a armée, il y a bas Congolais, oui, force de guerre, tout ça là, qui sont bas Congolais, il y a force publique, na deuxième guerre mondiale, na Éthiopie. Des bas Kumbo, ils ont Kumbo, ils allaient connaître la guerre, la guerre, les bas Yango, Awa, ils ont reflété image, il y a bravoure, il y a force publique dans la deuxième guerre mondiale. C'est ce qui fait que dans le monde de la vie, l'esprit panafricaniste et le monde de la vie, et puis ça, moi, configuration, il y a nos pères des indépendances africaines, les Kwame Nkrumah, les Mandela, les panafricanistes comme les Thomas Sankara, les Noir El Sadat, donc Bakumwana, et s'est retrouvé dans cette ville. Dans cette ville. Mais aujourd'hui, là où se trouve le Mboyam et Onalua, je ne vois pas une avenue qu'on peut débaptiser et que Batia Kombo y a un panafricain qui est reflété image Wana, tout ça. C'est ça que nous disons que Mboyam et Onalua ne peuvent pas. Qualitativement, à Taba Salindini sur le plan urbanistique et ça l'a transformé, puis Bimisal Fil Moko digne de ses noms et comporté Kumba Lumumba. C'est pourquoi nous proposons que Lumumba Ville soit construite sur un site nouveau et approprié, toujours dans la province de Sankoro. Et notre proposition est, ça historiquement d'ailleurs, appuyé par le vœu même de le premier ministre Patrice Emery Lumumba. Il y a des témoignages, les gens sont encore vivants, on peut les chercher, ils peuvent venir témoigner, les gens qui l'ont côtoyé de son vivant, que Yemoko Alubaki, un site qui se trouve chez nous là-bas, site en haut, Babi en haut, pour suivre Otoni. En tradition littéraire, Savane Otoni. Un site où il y a Moko de son vivant. C'est-à-dire, Atali d'abord, paysage. Atali, verdure, espace, ou anezo, pesa. Naturellement, Atali, il y a Moko, ce qu'on a, au Bano, Dieu a fait espace, mon souffle, peut-être des endroits où peut-être il y a Moko, peut-être qu'on peut m'en. Et cet espace, ce que vous quand vous arrivez, vous allez admirer la beauté de la nature. Et que Lumumba Yemoko de Sorela avait déclaré que la nouvelle capitale du Congo sera ici.
Mais pourquoi 60 ans après, 21 ans, nous ne pouvons pas transformer en loi à une réalité palpable, physique et concrète? C'est ça ce que nous disons dans notre réflexion. Il y a le monde avec une nouvelle approche. Que ville est à la construite sur un site nouveau et approprié aussi au produit. Pourquoi aussi au produit? Parce que historiquement, Yemoko, Alobaki, Ango, témoignage vivant, Isaba, Topi, Bazali. Deuxièmement, ce qui au tel espace ou en an, parce que quand ici, il y a une ville, ici, il y a une ville, et non, plaisir, puis pourquoi la ville, ou bien, tout ça, la ville, non. Par exemple, les Kinshasa, Kinshasa sont tenus parce qu'il y a plusieurs apports. Géographiquement, Kinshasa, au Talaba, Congo, Banou, les apportés, au Katia, Brazzaville, donc, Batrekuna, Bamitukakuna, Batokuna, et Kinshasa ville. Donc, aussi, on te dit ce qu'on t'a dit sur le plan géographique. Au Sali Congo Nabiso, au Tché ligne du nord au sud, au Tché ligne, au Tché du sud, de l'est à l'ouest, au Tché ligne, intersection à Balinouana, ça tombe au Sankourou et plus précisément au Sivotoni. Donc, on peut avoir une ville au centre du pays, Oyo, qui a les capacités, il y a une ville moderne. Par exemple, sur le plan par exemple démographique, Talana Kinshasa de Tozawa, d'ici 2025, 2030, avec Ningos Bamboutéajo, tout ça, ça sera une ville sursaturée. D'ailleurs, elle l'est déjà. Si l'État congolais peut penser au centre du pays, une ville moderne, qui a les caractéristiques d'une ville moderne, qui a la même configuration qu'une capitale. Et pour désabonger Kinshasa, et l'exode rural, tout ça, et pour ça, la moindre. Parce que la ville là sera au centre de Mombaville. Sera au centre. Donc, si vous voyez les villes du centre, les villes du nord, du sud, tout ça, peuvent se retrouver facilement là-bas. Dans le Mombaville. Ça, c'est un avantage d'abord sur le plan démographique des Abogés de Kinshasa. Et la ville elle-même, elle est située où? Parce que ce qui, sur le plan urbanistique, Batoumalibatunga, et Kozalakoutou, pas cité. Parce que la ville, elle, la surface d'abord, elle est plane. Il y a plus de 20 km, 25, 30 même km carrés, la surface est plane comme la table ici. Il n'y aura pas même pas de grands efforts à faire. Deuxièmement, quand vous terminez aussi, vous tombez sur la rivière Lomami. Et quand vous traversez Lomami, vous êtes dans le Maniema avec les territoires de Kibombo. À Kibombo, il y a un trait qui vient du sud. Donc, quelqu'un qui a son conteneur à Dar es Salaam, il pourrait Kasumbalé, sa trait, il suit, facilement dans le Mombaville. Parce qu'il y a Kibombo est tout près là. Les trains arrivent. Et vous avez la rivière Lomami qui donne le fleuve Congo na Isangi. C'est-à-dire que cette portion elle est navigable. Que le bateau peut quitter là-bas et que Kisangani ou bien Outi Kinshasa il y a facilement vers Lomami. Tout comme il faut qu'il y ait facilement Kisangani. Donc vous avez aussi des grandes cours d'eau, grandes rivières, où on peut facilement trouver de l'électricité ou bien. Bassou, c'est à capter des eaux pour la réchite des eaux et tout ça. Et vous verrez que non, facilement, en moins de temps, la nature elle-même s'est arrangée à couper ça va faciliter. Voilà. Sur le plan environnemental, écologique, il n'y a pas de problème. Et que tout le monde s'habille facilement à niveau de Mombaville. C'est pourquoi nous disons, nos amis qui ont fait un effort que concept de Mombaville, nous les remercions. Et peut-être qu'ils avaient une vision que non, Mbonyama, on a loi. Nous les remercions, mais nous leur disons que non. Est-ce que face à Kusalawana, nous allons gagner plus? Non, nous n'allons pas aller plus loin. Ça sera réduire le Mumba à un leader territorial. Parce que nous avons affaire à Bambouya, à Batete, à tout ça. Mais si nous allons dans un site nouveau, vierge,
neutre, nous aurons la possibilité d'attirer plus de grand nombre. Autopès a vraiment image. Il y a la vision, le premier ministre Patrice Emile. C'est-à-dire quoi? Donc, d'abord les autres provinces, parce qu'ils viendront au nom de Lumumba. Ils ne viendront pas au nom de non, bah ouais, non, Lumumba, c'était un nationaliste. Ah, c'est une ville qui a un nationaliste, c'est Tokekuna. Bah, africain, Bakouya. Et la diaspora africaine ou bien les amis de Lumumba à travers le monde. J'ai vu dans les images tout récemment que il va inaugurer un grand marché dans Pointe Noire à Wana, à Congo Brazzaville, pour Lumumba. Mais les autres nations ont une vision, il y a grandeur, il y a notre leader. Mais pourquoi nous, une opportunité comme ça, où l'État congolais donne un grand projet, ambitionne d'honorer notre héros national, et nous, les individus, nous voulons à restreindre cette vision. Hein? Il y a l'État congolais qui se veut vouloir honorer Patrice Emery Lumumba. Donc, nous disons que Lumumba ville doit être une ville idéale. Une ville idéale, c'est-à-dire une ville qui doit être construite selon les normes urbanistiques et architecturales modernes. Ça veut dire quoi? Voilà, on a continué un chapitre et façon ville en Wikusale. C'est-à-dire quoi? Ville en Wikusale, nous disons, ce qui par exemple aujourd'hui, l'État congolais ou Abimina Likambango, en dit que non, ça ne sera pas bon que Lumumba ville et Zalada des entités qui ont existé, c'est-à-dire bah, vu la localité Mongo, débaptisé Yango, Bambi Kongo à Lumumba. L'État congolais peut se dédire de cette histoire-là. C'est-à-dire non, vu la grandeur, vu le prestige, où il y a un héros national, on construit à son nom une ville nouvelle. C'est-à-dire une ville idéale. Ça veut dire quoi? Une ville idéale, c'est que supposons que Bandimi, ça va notre sur votre droit. Il y a ces vierges, espaces normal. Qu'est-ce qui va se passer? Le ministère des affaires foncières, il y a l'État congolais au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Dans le ministère urbanisme et habitat, le ministère de l'intérêt des affaires coutumières, le ministère du plan, bâtit sur le terrain là, sur ce site là que nous disons, que lui-même le bâtisse. Nous on n'a pas inventé, lui-même il l'a dit. Vous voyez tout simplement que Batobandima, vision en Akakandi toujours rappelé. Bakiti sur terrain en savon notre Yuan. Ba établir cahier de charges qu'effectivement, Bissotoumigui vraiment tout ça là, une nouvelle ville à l'honneur et au prestige national et international. Merci. Naba Eternaut Nyoso. Au Balandi, émission Oyo, Isika Nyoso, Ezio. Et à la Boutou, et à la Tongo, et à la Midi. Merci Mingi. Boki Ndeko, Docteur Sami. Lenge Apesi Avinae. Lenge Fropesa Lumumba Valeur. Et à la ville Moko, et à la Boutou Manasse, qui est ville Moko et Obamba. Alors en résumé, c'est ce qu'il a voulu dire. On a fait merci à Gabriel Wemboua, ici à Zala Zolanda. On a fait à Sylvie Onukumba, Sylvie Dembo, ici à Zakuna à Paris, Mote, Chaco Ochudi, ici à Zakuna à Belgique. Mote, merci ici. Et nous remercions la coordonnatrice Scola Soumaïli Laini et le directeur de la chaîne Jolie Copie et Abino. Bonne année, Michel Njoukende. Ok, merci pour la journée d'aujourd'hui.